إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala au chapitre numéro 20 du livre de l'unicité du Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, 21 dans certaines éditions. Ce chapitre, au titre « L'exagération vis-à-vis des tombes des vertueux en fait des idoles qui sont adorées en dehors d'Allah ». Il faut savoir qu'en islam, les tombes ont toutes les mêmes caractéristiques. La loi islamique ne fait aucune distinction entre une tombe et une autre. Il n'existe d'ailleurs aucune preuve religieuse indiquant que la tombe d'une personne pieuse doit se distinguer de celle d'une autre. Les caractéristiques sont donc les mêmes, à savoir que la tombe est soit de forme convexe, c'est-à-dire bombée, soit rectangulaire. Transgresser les limites fixées concernant les tombes des personnes pieuses consiste donc à transgresser ce que le législateur a ordonné ou ce qu'il a interdit au sujet des tombes, que ce soit en inscrivant des écritures dessus, en les adoptant comme lieu de prière ou comme moyen de se rapprocher d'Allah et autres types de polythéisme majeur. Puis le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah dit, l'imam Malik a rapporté dans son Muwatta que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Oh Allah, fais que ma tombe ne soit pas une idole adorée. » La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont pris les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière. Ceci est une demande de protection et une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il demande à Allah le Très-Haut afin que cette chose ne se produise pas. On en déduit qu'une tombe peut devenir une idole et un monument d'adoration, résultat auquel on arrive par le moyen cité ensuite. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La colère d'Allah s'est accrue contre ceux qui ont adopté les tombes de leurs prophètes comme lieu de prière ». C'est en cela que consiste l'exagération dans les moyens d'adoration. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc cité le moyen utilisé et dans le même temps, il a dissuadé les gens d'en faire usage. Il a aussi mentionné l'accroissement de la colère divine contre quiconque utilise ce moyen et le résultat final auquel il mène, à savoir que les tombes deviennent des idoles que l'on adore en dehors d'Allah Azza wa Jal. On trouve donc dans ce hadith l'explication qu'une tombe peut devenir une idole et un monument adoré en dehors d'Allah. Puis le Cheikh cite Ibn Jarir rapporte, selon sa propre chaîne de rapporteurs, d'après Soufiane, d'après Mansour, d'après Mujahid, qu'il a dit concernant la parole d'Allah, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Avez-vous vu les divinités Lat
et Uzza. Ellat était un homme pieux qui broyait du sawiq. Le sawiq, c'est de l'orge moulu mélangé à de la pâte de date, ou certains disent mélangé à du beurre rance. C'était un mec qui était très apprécié des Arabes. Donc cet homme, Ellat, il mélangeait cela, il l'offrait aux pèlerins. Lorsqu'il mourut, les gens se recueillèrent sur sa tombe. Abu al-Jawza rapporte aussi qu'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit que Ellat était un homme qui broyait du sawiq pour les pèlerins qui venaient donc accomplir le pèlerinage à la maison sacrée. Ce qu'il convient de souligner ici est la parole de Mujahid, quand il dit « lorsqu'il mourut, les gens se recueillirent sur sa tombe ». Du fait que cet homme leur était bénéfique, car il broyait du sawiq pour eux. La piété de cet homme les a donc poussés à exagérer dans l'amour de sa tombe. Le recueillement, al-ukuf, ici ça veut dire le recueillement. Cela signifie rester à côté de la tombe par vénération pour elle, en croyant que cela peut apporter de la bénédiction, une récompense et un bénéfice. Et que cela peut repousser les maux. En outre, se recueillir auprès des tombes transforme celles-ci en idoles et en monuments adorés en dehors d'Allah. Puis le cheikh, rahimahullah, a cité la parole de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit les femmes qui visitent les tombes, ainsi que ceux qui prennent ces dernières comme lieu de prière, et les ornes de lampes, rapportées par les auteurs des Sunan. Nous avons déjà parlé dans les chapitres précédents de prendre les tombes comme lieu de prière, et nous avons clarifié le statut religieux de cet acte. L'interdiction d'orner les tombes avec des lampes trouve sa justification dans le fait qu'il s'agit d'un moyen de vénération de cette tombe et une forme d'exagération. Dans le passé, les gens y déposaient des lampes à huile, alors qu'aujourd'hui, de grands faisceaux lumineux y sont placés, indiquant que ce lieu est religieusement visité et fréquenté. Des ornements scintillants et des projecteurs puissants indiquent aux gens que cette tombe est vénérée. Ceux qui agissent de la sorte sont maudits de la bouche même du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est donc pas permis de placer des lampes sur les tombes. Puis le cheikh a cité les points à retenir. Premièrement, l'explication du terme wathan. El-wathan, c'est les idoles, les monuments qui sont adorés en dehors d'Allah. La différence entre un sanam et al-wathan, al-sanam, qui sont les statues, sont des awthan, sont aussi des idoles et des monuments adorés en dehors d'Allah. Alors qu'il y a des monuments et des idoles adorés en dehors d'Allah qui ne sont pas des statues. La différence, c'est que la statue est façonnée sous la forme d'un être vivant. Alors qu'une idole ou un monument adoré en dehors d'Allah peut être autre chose que ce qui est façonné sous la forme d'un être vivant, comme les tombes, comme des arbres, comme autre chose. Voilà ce que veut dire Wathan, l'idole. Deuxièmement, l'explication de l'adoration. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne demande la protection d'Allah que contre une chose dont on redoute l'imminence. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a associé l'adoption des tombes comme lieu de prière à l'adoration des idoles. Cinquièmement, la mention faite de l'accroissement de la colère divine. Sixièmement, l'un des points les plus importants, savoir comment les gens adoraient Lat, qui était une des plus importantes idoles. Septièmement, Lat est la tombe d'un homme pieux. Huitièmement, Lat est le nom de l'occupant de la tombe et le sens de cette dénomination. Neuvièmement, la malédiction des femmes visitant les tombes fréquemment. Dixièmement, la malédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam adressée à ceux qui ornent les tombes de lampes. Le chapitre prochain, qui est le chapitre numéro 21, 22 dans certaines éditions, qui a pour titre « La protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam » et l'effort qu'il a fourni pour barrer toutes les voies menant au polythéisme. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit: « «Laqad ja'akum rasulun
من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous. Dans ce verset, il est mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne désire pas que vous soyez dans les difficultés et les malheurs, et qu'il est plein de sollicitude pour vous. C'est une des manifestations de sa sollicitude envers nous, et une des preuves que les difficultés que nous subissons lui pèsent lourd réside dans sa protection des limites et des frontières du tawhid, et ses efforts fournis pour barrer toutes les voies qui pourraient nous mener au polythéisme. Dans la suite du verset, quand Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants, alors s'il se détourne, dit « Allah me suffit, il n'y a de divinité digne d'adoration que lui, en lui je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. » Puis le Cheikh a cité, Abu Huraira radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne faites pas de vos demeures des tombes, et ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. Invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. » Rapporté par Abu Dawood, avec une chaîne dont les rapporteurs sont dignes de confiance. Ici, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage. » Eidan. Le Eid, c'est une chose qui se répète, ou bien qui se répète dans le temps, c'est-à-dire que chaque année, à la même période, les gens fêtent un événement. Donc on appelle ça une fête, un Eid. لِأَنَّهُ يَعُودُ كُلَّ عَامٍ. Car il se répète, il revient chaque année. Ou bien, le Eid, c'est un lieu géographique dont sa visite est répétée. C'est-à-dire que les gens, ils ne cessent de le prendre comme lieu de pèlerinage, comme lieu d'adoration, ou comme lieu dans lequel ils cherchent des bénédictions. Donc, ce terme de Eid peut être lié au temps, comme il peut être lié au lieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a interdit de faire de sa tombe un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire un lieu vers lequel on retourne à un moment précis chaque année, ou des moments particuliers au cours desquels on se rend habituellement à la tombe. En effet, ceci peut amener la personne à vénérer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'on vénère Allah, car adopter une tombe comme lieu de pèlerinage est un des moyens menant au polythéisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit ensuite « Invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos invocations me parviennent où que vous soyez. » C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que vous veniez jusqu'à ma tombe pour invoquer Allah pour moi, ou pour demander les éloges et les salutations d'Allah pour moi. Puis le Cheikh a cité Ali ibn al-Hussein, radiallahu anhu, vit un homme s'introduire dans une brèche proche de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour y invoquer Allah. Il le lui interdit alors en lui disant, « Veux-tu que je t'informe d'un hadith que j'ai entendu de mon père, d'après mon grand-père ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Ne prenez pas ma tombe comme lieu de pèlerinage. » Et ne faites pas de vos demeures des tombes, et invoquez les bénédictions divines pour moi, car vos salutations me parviennent où que vous soyez. » Rapporté dans Al-Mukhtara par Al-Diya Al-Maqdisi et par l'imam Ahmed dans le Musnad. Le hadith de Ali ibn al-Hussein va dans le même sens que le précédent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc protégé les limites et les frontières du tawhid, et il a barré toutes les voies menant au polythéisme. Si c'est le cas pour la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela est encore plus vrai pour la tombe d'un autre que lui. Mais ce qui s'est produit pour cette communauté, dans beaucoup de cas,
et qu'elle n'a pas accepté la protection du tawhid par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris les tombes comme lieu de prière et de pèlerinage. Elle est même allée jusqu'à y construire des mausolées, les orner de cierges, voire même y sacrifier des bêtes et y formuler des vœux pieux, tourner autour des tombeaux comme on le ferait pour la Kaaba, sanctifier les alentours plus intensément encore qu'on ne le ferait pour les lieux sacrés d'Allah. D'ailleurs, on remarquera que les adorateurs des tombes, lorsqu'ils se rendent sur la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou la tombe d'un homme pieux, ils manifestent humilité, servilité, repentir, désir et crainte avec une intensité qui ne se produit jamais dans leur cœur lorsqu'ils s'isolent avec Allah. Or, ceci n'est autre que l'hérésie même contre Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis le cheikh a cité les points à retenir dans ce chapitre. Premièrement, l'explication du verset de Sourate al-Baqarah. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam empêche le plus possible sa communauté de sortir des frontières du tawhid. Troisièmement, la mention faite de son souci à notre sujet, de sa compassion et de sa clémence, sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, l'interdiction qu'il a formulée de venir visiter sa tombe d'une manière particulière, bien que celle-ci est une des meilleures actions. Effectivement, visiter les cimetières est une bonne action, car cela nous rappelle l'au-delà. Et il n'y a aucun doute que la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est meilleure que les autres tombes. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit qu'on la prenne comme lieu de pèlerinage ou bien qu'on la visite d'une façon particulière ou avec un objectif particulier autre que ce qui a été légiféré par Allah, c'est-à-dire visiter les cimetières et les tombes pour se rappeler la mort et l'au-delà et pour invoquer Allah pour les morts. Cinquièmement, l'interdiction que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulé de visiter fréquemment sa tombe. Effectivement, quand il a dit « La taj'alu qabri idan » ne faites pas de ma tombe un lieu de pèlerinage, c'est-à-dire un endroit auquel on revient constamment. On visite souvent. Sixièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage à accomplir les actes surérogatoires chez soi. Quand il dit « Ne faites pas de vos maisons » des cimetières. Septièmement, il est évident aux yeux des compagnons qu'il n'est pas permis de prier dans un cimetière. Huitièmement, la raison de cette interdiction consiste en ce que la demande de la bénédiction et les salutations atteignent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'on est éloigné de sa tombe. Il n'y a donc pas besoin de s'en approcher. Neuvièmement, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve dans le barzakh, c'est-à-dire dans le monde intermédiaire, comme il est dit fréquemment, le monde de la tombe, les demandes de salutations et de bénédictions lui sont présentées. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallillahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.